Bien le bonsoir et bienvenue pour notre 11e épisode et sûrement dernier épisode sur Star Wars Jedi Fallen Order. Comme tu peux le voir, j'ai 9 points de compétence. Ouais, je sais, c'est énorme. J'ai farfouillé tous les coins de toutes les planètes. Et j'ai récupéré tous les stims, on en a 10. Et je prends ça direct. Le fait de pouvoir lancer, ça a l'air d'être incroyable. Alors attends, parce que je voulais prendre d'autres choses aussi. Je voulais prendre ça. Quand on prend un stim, ça redonne toute la force. De cale, donc ça c'est plutôt cool. Et comme troisième, pour le coup, j'ai pas choisi. Augmente les dégâts du sabre. Bon, on va prendre ça. Voilà, parfait. Et je pense du coup que ça doit être nos derniers. Bon, après les autres coûtent 2, 3. Donc à la limite, on pourra peut-être en mettre encore un. Mais je pense que on risque de terminer comme ça. Et comme tu peux le voir, j'ai 10 steams. J'ai récupéré tous les steams qui sont sur les différentes planètes. C'est parti, BD. Donc à mon avis, on est paré pour la fin. Ça devrait le faire. Alors l'épisode risque de durer plus d'une heure, hein, je pense. Ou alors une heure tout pile, si on arrive à bien gérer. C'est un miroir le truc en fait. Oh, on passe dans une... Oh la vache, ça fait un peu flipper. Ça fait un chouïa flipper. Vous êtes un peu moche. Je les guiderai sur la voie de la force. Maître Kestis. Nous commencerons par la préparation physique. Qu'est-ce que la force? Rassemblez-vous autour de moi. Maître Kestis, vous pensez que l'Empire nous trouvera? C'est trop bien ça. On voit un peu notre futur. Ou alors je sais pas, c'est comme une prémonition, je sais pas. Bonne question. C'est assez glauque, ça ressemble au souvenir, c'est beaucoup plus sombre. C'est l'Empire. Les inquisiteurs nous ont trouvés. Maître, est-ce qu'on doit se battre? Ils arrivent vers les tranchées. Continuez. Oh merde, c'est horrible. C'est assez spécial et comme ouais, comme tu peux le voir, j'ai changé la couleur du sabre. Cible en vue. Aidez-moi, maître Kestis. En avant. Oh merde. Le pauvre. Dispersion, cherchez les autres. Oui, chef. Aïe aïe aïe. Ils vont tous crever, je sens. Oh non. Rends-toi immédiatement et nous épargnerons les plus jeunes. C'est très bien. Mets-toi à genoux. Oula. Il va me couper le nez celui-là. C'est un vaisseau d'Empire. Les
Oh les pauvres. Oh la vache. Qui c'est qui a éteint la lumière? Oh, on a un sabre rouge. Oh, 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 what? Oh non. On est passé du côté de... Non. Ça va, on est toujours là. Il y a un truc qui est passé au-dessus là. Et merde. J'ai peur de te trouver ici. Oh, je ne te croyais pas capable d'un tel discernement. Et moi qui croyais que ta plus grande qualité était ton obstination risible à passer d'un fiasco à l'autre. Alors tu aurais peut-être dû me tuer sur Braca. Quelle importance. Ce n'était que la vie dérisoire d'un padawan contre ce qui me vaudra les grâces inestimables de l'Empereur. Tu penses que je vais te laisser partir avec l'Holocron? Bien sûr que non. Nous sommes fiers tous les deux. Mais ta fierté à toi t'a coûté la vie de tous les enfants sensibles à la Force sur cette liste. Sans parler de la tienne. Comme tu l'as dit, Trilla, je suis obstiné. Alors ça, ça pue le gros combat, hein. Ok. Ouf. Vas-y. Parfait. Oh yes. Avec ça, il a vu l'enfer. Non, attendez. Se séparer est une mauvaise idée. Non. Je vais les éloigner d'ici, et ensuite je les contournerai. Reste avec les novices, Trilla. Que la Force soit avec toi. Maître, restez avec nous. Trilla, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va aller. Ça va Par contre, enfin, on voit que dalle avec son truc là. On voit pas grand chose. Dans son masque, je veux dire. Enfin, dans le casque qu'elle a mis. C'est un peu déroutant. Oh la vache. Le nombre de Stormtroopers. Alors, on peut pas l'arrêter.
impossible de l'atteindre. Démerdez-vous avec lui, hein. C'est pas mon problème. Ce sera une victoire facile. Déjà, vous arrivez à m'attendre. Vous allez rien faire. Allez, on retourne le plus possible au vaisseau sans se faire toucher. Hop. Alors du coup, on va aller où maintenant? C'est ça la question. Vous avez rien faire, les gars. Vous êtes des novices. Ouf, ouf. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Ok, bon, ça va. Ils ont touché deux fois. Serré. J'ai vu ce qui est arrivé. À propos de vous, Itrilla, et ce que vous avez vécu. Je suis vraiment désolé. J'ai été arrogant et je me suis mal conduit. Je ne peux pas comprendre ce que vous avez traversé. Elle a notre Holocron. Je ne sais pas où elle l'a emmené. C'est entièrement ma faute si Trilla a suivi cette voie. Et ce qu'elle va faire par la suite est la somme de toutes mes erreurs. Mais nos erreurs relèvent du passé. Nous nous devons de les assumer, préparer l'avenir est la seule chose qui importe. C'est vous qui m'avez appris ça. Tu as raison. Je sais où elle l'a emmenée. Dans une forteresse. Où ils traînent les Jedi. Et d'où viennent les Inquisiteurs. C'est un lieu de torture. C'est le lieu que j'ai fui. J'aurais jamais cru y retourner un jour. Vous ne serez pas toute seule. Mais avec un ami. Non. C'est avec un Jedi que j'irai. À genoux. Au nom du Conseil Jedi, et au nom de la Force, Cal Kestis. Debout, chevalier Jedi. Maintenant, tu es prêt. Tout comme vous. Serré. J'ai vu ce qui est arrivé. À propos de vous, Itrilla, est-ce que vous avez... Ok. Le dialogue qui a recommencé sans le vouloir, je pense. Bon, on est passé de Jedi à Chevalier Jedi. Franchement, c'est trop cool. Let's go. Ouais, c'était qui à la forteresse? Ok, écoute bien. J'ai pas du tout envie de me répéter. Je t'écoute, oui. Bien. Alors, au cas où personne te l'aurait dit, c'est mon vaisseau. C'est moi le capitaine. Et je dirais même, un des meilleurs. Alors, c'est moi qui fixe les règles. Règle numéro 1. Tu tâches le canapé, t'as plus qu'à t'en aller. Règle numéro 2. À moins que t'aies quatre bras, le siège du capitaine, tu ne prendras pas. Règle numéro 3. Tu veux cuisiner, tu me laisses te surveiller. Règle numéro 4. Si ça devient trop bruyant, tu n'as pas le choix, tu descends. Grise, c'est bon. Bah quoi, elles sont en vigueur depuis qu'on a embarqué le petit gars. Hé hey, petit gars, assieds-toi, on y est. C'est pas un peu dur avec elle?
C'est pas bon. Face à des défenses pareilles, nos stratégies de routine seront trop justes. Je connais un moyen. Que comptes-tu faire? Un rituel pour cacher votre vaisseau, si je peux. Un rituel? Elle a du talent pour ce genre de choses. Quoi? Oh, une petite minute, on se calme. Qu'est-ce que ça implique, ce rituel? Un sacrifice. L'un de tes bras devrait me suffire. C'est une blague. Ne sois pas si sérieux. Rejoins-moi à l'avant. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Quoi qu'elle fasse, ça fonctionne. Quelles sont nos chances, selon toi? Je mise sur toi, petit gars. Allons-y, BD. Une fois à l'intérieur, je pourrai m'attaquer à leur défense, ainsi que saboter leur capteur pour que le Mantis puisse nous extraire. Toi, tu trouves l'holocron. On reste pas ensemble? Je sens l'appel. La vie de chacun des enfants sur cette liste est en jeu. Quoi qu'il arrive là-bas et quoi que tu puisses voir, ne t'occupe pas de moi, d'accord? Prends l'holocron et va-t'en. On est à la forteresse. C'est l'heure. C'est que ça envoie du lourd tout ça. Alors est-ce qu'il y a moyen de nager plus vite? Ouais. C'est vrai que j'ai jamais essayé depuis. Alors voyons voir. Cette forteresse paraît si imposante. Apparemment oui. Ah ouais. Et pas qu'un peu. Oh waouh. Oh, il y a de la lave carrément en bas. Ouh cette musique. Ouh là là cette musique. Tu sens l'épisode copyrighté à cause de ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Pratiquement sûr. Ta vidéo sera démonétisée. Je suis allé trop loin. Bonsoir les gars. Il bloque nos attaques. Je vais la voir. Je m'en charge. Ok. Vas-y. À ton tour. Ouais. Content de vous entendre, Zéré. J'ai localisé l'holocron. Je te communique sa position. Bien sûr. Parfait. On se met en route. Ok, donc la plateforme là. C'est parti. BD, il faut qu'on arrive à passer. Faut que j'essaie de lancer mon savon. Oh putain, pas lui. Est-ce qu'il y a moyen de les esquiver? Ok. Attends, j'ai envie d'essayer. Non, je sais plus comment on fait.
Putain, je suis bloqué. Ah là là, je suis bloqué. Ok. J'en ai tué pas mal là, je viens de ressentir un succès. Putain, mais. Ok. Lui c'est bon. Vas-y, venez. T'as lui il m'énerve, hein, c'est un truc de fou. Putain mais c'est pas possible. Parfait. J'ai besoin de toi, BD. Ah tu vois, c'est là que je suis assez content d'avoir 10 teams. Effectivement, quand on prend un steam, ça nous recharge même la barre de force, ça c'est nice. Oh mais... Il y en a combien là? Oh j'en ai tué deux d'un coup. Prends-moi par derrière. Vas-y, essaie toujours. Vas-y, défonce-les. Tu sais que tu traites de vermine, toi. Gros que si. C'est ici que l'Empire a créé ses inquisiteurs. Ils y ont torturé serré. Oh non. Là au côté obscur. Il est temps de détruire ça, mais... On a trouvé le Jedi. Ok. En fait, quand il est seul, ça va. C'est juste quand ils sont 15 là, c'est beaucoup plus compliqué. Faut juste pas qu'ils nous chopent. Serré, j'ai dégagé le secteur, mais l'Empire m'a enfermé. Vous auriez une idée? Cal, cherche une salle de contrôle. J'ai un plan. Je crois que j'en ai trouvé une. Ce truc a besoin de courant. Super. Ah bah tiens. Là, c'est trop loin. Si je tire, ça devrait le faire. Toujours pas? Ah oui d'accord. Bah tiens, attends. Vas-y. Parfait. Je sais pas où est-ce qu'il est allé l'autre. Bon, il s'est passé un truc. Allons voir ça. J'ai désactivé les boucliers. Ouf. À l'extérieur de la forteresse. Inonde la base et nage jusqu'au donjon central. Ça, c'est un sacré plan. On se retrouve là-bas. Bonne chance. C'est compris. On y va, BD. Cette section a l'air fragile. Ouais. Et donc. Ah. On se jette à l'eau, BD. Accroche-toi. Oh, il nous a ramené à l'autre bout du monde. Par contre, ouais, voilà. J'allais dire, c'est normal que tu bouges plus. Ok, on avance. Je savais même pas qu'on pouvait sprinter dans l'eau, quoi. Oh merde, attends, faut aller où? J'ai loupé un truc. Ah ok, faut aller là. J'ai même pas fait attention. Alors je me demande s'il y a des trucs à récupérer ici. Je pense pas. Hein. Ça ressemble plutôt à une planète comme au tout début. Oh, ils sont tous noyés. Les pauvres. Mais bon, ils ont pas trop laissé le choix. On peut scanner. Toujours ça. En tout cas, c'est vachement grand. Hein. Et j'aime beaucoup cet endroit. Ça change. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, je crois que c'était. Ça manque un peu de combat dans des vaisseaux ou des trucs comme ça. Pour le coup, là, on est servi. Alors, toi, mon gars. T'étais une pro facile.
Ok, un truc de save. Parfait. Bon, je pense que les améliorations, on peut oublier. Ça m'étonnerait qu'on arrive à avoir 2 points de compétence dans cette zone. On se rapproche. Oh. La pause est finie. Ah, attention. La pause est finie. J'adore. Ok. Je vais aller les chercher. Je vais la voir. Ça va être vite vu. C'est pas le moment de charger. Nickel. Faut activer un truc. Dojo du temple Jedi. Mais malsain et corrompu. Ah ouais, ok, ils sont en train de se former eux là-bas. Il va où lui? Tu perds du terrain. Tu peux la déverrouiller? Ok. Pile ce qu'il nous faut. Tu voulais voir un truc, non? Oh, bonsoir. Faites attention. Je n'échouerai pas. T'en échapperas pas. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi. Tu n'échapperas pas. Ça en fera un en moins. Hein. Nickel. Tu voulais scanner un truc? Tu scannes le mur? Ouh, y'a du monde. Sors le double. Oh non, pas lui. On va lui régler son compte. Vas-y. Oh non. Oh putain, attends, il faut que j'aille me charger de l'autre, sinon il va vite m'énerver lui. Si. Je m'en charge. Si si, je pourrais tous vous vaincre, hein, t'inquiète pas. Par contre... sur la cible. Les chances de survie sont infimes. Hypercute. Hypercute. J'adore. Alerte système. Vas-y, viens là, mon gros. Merde. Longévité de l'adversaire compromise. Prends Steam. De toute façon, on est tranquille côté Steam. Non, lui on peut pas le pousser dans le vide, impossible. Merde. Pas trop ce que je voulais faire. Parfait. On gère. Oh putain, il en vient d'autres. Non? Oh si. Ok, soit à distance, on va essayer de se les faire. Soyez prudents. Il bouge vite. Oui. À l'attaque. Allez-y. J'ai pas assez à faire ce que je voulais faire. J'ai une petite force. C'est bon. J'ai besoin d'un remontant. Ouf. Trop facile. Trop facile. Non. Oh non. Ouf. Non. Trop faible. Oh. Sérieusement. Ok, bon, on se retrouve ici. Cette fois, faisons assez attention. Ok, lui c'est bon. Qu'est-ce que t'en sais toi? Incapable. Je t'ai déjà tué plusieurs fois. Et je pourrais encore te tuer. Putain, dis-toi qu'on a pris une amélioration pour les dégâts. Hein. Je me sens que je sens rien du tout. C'est bon? Vous avez eu votre compte? J'ai capturé les... Oh merde. Tu dis autant que tu veux et j'abandonnerai pas. Oh purée, alors lui il est par contre. Attends, c'est moi ou l'autre? Il a lancé une roquette dessus. Oh oui.
Bah let's go se servir de ça hein. Bah oui ouais, il a enlevé toute sa vie. Tiens, tu vas vite. Attends. Tu peux rien contre moi. J'avance vers l'ennemi. Ah par contre ils font un peu mal hein par contre. Ok, on a tué un. Il est où? Nickel. Maintenant on va se les faire ceux-là. Plus que lui. Ok. Oh oui, un point de spawn. Parfait. C'était quand même assez long. Hein. On va pas se cacher. Oh tiens, il nous reste une demi-jauge. Qui sait? Peut-être un dernier point, non? Oh la vache. Il y a du monde. Oh merde. Je l'avais pas vu. Putain mais... Le problème c'est qu'il me gêne cela. Et merde. Oh putain. Vas-y prends un sim. On va le finir. Voilà nickel. Les autres aussi. Du coup faut aller où? Parce que bon vous êtes bien gentil. Apparemment pas ici. Peut-être descendre. Alors faut peut-être tout simplement déjà les tuer, non? C'était le dernier. C'est bon. Cal, je suis tout prêt, mais un sas blindé me barre la route. Essaie de trouver une console. Ok, j'arrive. Il fallait bien aller unir. Il fallait bien aller là-bas. Oh ça ressemble à la zone avec son maître. Oh elle est tellement forte. C'était impressionnant. Vous tenez le coup? Ne t'inquiète pas pour moi, nous avons une mission. Mais j'avoue, ça fait un bien fou de détruire cet endroit. Il nous enfermait dans cette prison. Je regrette qu'il n'y ait plus personne à sauver. Désolé qu'on ait dû revenir ici. Moi aussi. Mais nous n'avions pas vraiment le choix, non? Non, en effet. Allez, continuons. Oui, il est grand temps d'en finir. Aucun signe de Trilla? Non, pas encore. Le Locron est conservé dans la salle d'interrogatoire. C'est le lieu le plus sécurisé de la forteresse. Je t'ouvre la voie vers le Locron. Trouve le Locron. Je m'occupe des renforts et je te rejoins dès que possible. Non, entendu. Vas-y, scan. Ouh, je crois qu'on y arrive. C'est notre porte de sortie. Je crois qu'on s'en approche. Ouais, on s'en approche. Oh, la salle est gigantesque. Eh, Bélia. Merci d'être mon ami. Oh, bah oui. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi avancé, même pour l'Empire. Ouais, j'allais dire, par contre, là, on peut pas trop passer. Il y a une zone de save en face. Avec une grosse porte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On va vite fait bien fait save. Bien comme il faut. Comme ça, on sera ready. Ok. Alors, attends, il voulait faire un truc ici? Non? Tu voulais scanner. Autant pour moi. Ils les ont brisés, torturés et convertis au côté obscur. Pile ce qu'il nous faut. Ça me paraît trop simple. Ah,
Eh ben tiens, qu'est-ce que je te disais? Salut! Reviens oh là. Ici. Oh purée! Elle va être vénère hein, par contre. Tu vas me le payer cher. Ouh, elle va être grave vénère. Oh la vache. Tu vises terriblement mal. Cède à la douleur. Et ça craint. Ok. T'arrêtes de jouer avec ton hélicoptère là. Allez, BD. Oh purée, non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Bordel. Putain, j'ai pas vu ma vie. Trilla, je sais tout ce que tu as traversé. Tu as connu une immense souffrance. Tu peux te délivrer de cette douleur. Délivrer? C'est cette douleur qui me rend plus forte. Je savais que tu reviendrais pour ça. Pas de merci. C'est intense. Alors non. Tu ne sortiras jamais de cet endroit vivant. C'est encourageant. Oh what? Pardon? Arrête de bouger. Oh la vache, la violence du truc. Oh non. Je vois plus rien. Tu vises terriblement mal. Putain, ça m'énerve son truc d'hélicoptère là. Oh non. Pardon? Mais c'est quoi ce truc cheaté? Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Et je vais vous montrer, j'ai trouvé un petit truc fort sympathique. Regardez. Tu vois la porte? En fait, je vous explique. Je lui ai mis un coup de force et j'ai vu que la porte ne s'était pas refermée. Et j'ai essayé deux fois. Et en fait, il y a un petit glitch. C'est que vous arrivez à laisser ouvrir la porte. Et bah, la défoncer en même temps, quoi. Bah, du coup, c'est bon, c'est joué. Alors, attends, ne pas qu'elle me tue. Mais non, hein, c'est bon. Voilà. Merde. Oh non. J'ai fait bugger le jeu. Oh, j'ai totalement fait bugger le jeu. Oh non. Il a pas aimé. Non. Ah, je suis dégoûté. Oh non, je suis dégoûté. Bon bah, je vous reprends. Bon, j'ai refait ma tactique, quoi, on va dire ça comme ça. Alors là, par contre, je pense que je vais... Aïe, prends un sim. J'ai besoin d'aide. Putain, mais... Ah bah, salut, hein. Écoute, je vais aller plus au milieu, parce que ça se trouve, en fait, le jeu n'a pas aimé que je triche. On va dire ça comme ça. Ce n'est qu'une question de temps. Ouais, c'est bon, tu vois. Amnay, il a pas aimé qu'on soit sur le côté. C'est pas très grave, hein. Cal. J'ai l'holocron. C'est à moi de le faire. C'est fini, Trilla. Tu sais que rien n'est jamais vraiment ce combat-là. Est fini. Je connais cette noirceur qui te dévore de l'intérieur, mais chaque jour tu as le choix entre la nourrir et l'affronter. C'est trop tard, Serré. Non, c'est faux. Je sais que les choix que j'ai faits ont entièrement condamné ton avenir. Je t'ai abandonné, Trilla.
Je t'ai abandonné. Et j'en suis vraiment désolée. J'ai eu tellement de haine envers toi. Oh, il arrive, il arrive. Le Seigneur Sith. Il arrive, le chevalier noir. Il va te défoncer. Oh la vache. Voilà le boss final, c'est sûr, c'est lui. Ok, ça ne me dit rien qui vaille. En effet. Moi non plus. Le voilà. Vous m'avez déçu, inquisitrice. Vengez les nôtres. Sache que tu te rendes. Ouais. Sûrement. Non. On passe battre contre lui là. Je te crois pas. Ah mais c'est impossible. Impossible. Abandonne. Impossible. Ah attends, on peut. Oh mais c'est un monstre. C'est un monstre. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh non. Attention. Ah bon bah ciao hein. Oh la vache. Le turbolift, on fonce. Écoute, j'y vais, j'y vais. À droite. Ok, il est mort. Est-ce qu'il me suit, tu crois? Oh, il est au fond, je l'ai. Oh, attention. Bouton, ici. Oh putain, il est là. Mais ferme-toi. Oh la vache. C'est un monstre. Pouf. Bon, si c'est que ça, ça va. Tu vois, si c'est que ça... Tout va bien. Mais oh là là. J'ai besoin d'un coup de main. Vas-y, remets-toi à 9. Il ne reste plus que 3 steam, hein. Attention. Je crois qu'on la se met. Est-ce que je peux scanner des trucs? Non. J'y arriverai. Serré. Je continuerai jusqu'au bout. Bah ouais, du coup, Serico, elle est morte. Tiga, tu me reçois? Ils ne répondent pas. Ils vont bien. J'en suis certaine. Chris, je suis là. Je me dirige vers la surface. Prépare-toi. J'ai trouvé l'holocron. Mais, Serré, elle ne reviendra pas à Grise. Serré? Fiche le camp d'ici, Cal. T'arrête pas, Cal. Je suis désolé. Entendu. Oh non. Mais c'est pas vrai, mais il sort d'où celui-là encore? C'est pas possible. Mais il va nous laisser tranquille. Oh putain, si moi j'appuie pas sur le bouton. J'ai pas appuyé sur le bouton. Oh, je suis un naze. J'étais tellement concentré sur sa face que j'ai pas appuyé sur le bouton. Ne te fous pas de ma gueule. C'est pas possible. Mais vas-y. Et après je vais appuyer sur la flèche du bas, ça va le faire. Vas-y BD1. Et bah voilà. Quand tu veux. Putain, faut vraiment appuyer sur la seconde. Par contre non. Pas trop fort. Hein. Ah ouais, mais lui il est trop fort lui. Jamais je vous le donnerai. Nous verrons. Oh oh. Oh oh. Oh merde. Vous ne prendrez pas ces enfants. Tant de haine.
Tu aurais fait une excellente inquisitrice. Elle est plus forte que ça. Non, non, ça. Oui, la puissance du côté obscur. Serré. Je peux la sentir affluer en elle. Serré, serré. Hey, écoutez-moi. Vous avez le choix. Il est impressionnant, que ce soit dans les films ou alors que ce soit dans le jeu. Toujours aussi horrible par contre. Ah, je suis dégoûté qu'on l'ait vu genre 5 minutes. Mais c'est trop bien. Oh merde. Ok. Contente que tu ailles bien. Il ne t'a pas quitté un instant. Que c'est mignon. Hey. Hey. Et maintenant ? Eh bien, capitaine, tes services ne sont plus requis. Tu as bien rempli ton contrat. Merci, Chris. Eh ben, si ça te dérange pas, je pensais que je pouvais peut-être rester un peu dans le coin et piloter pour vous. En plus, je risque de manquer au petit. Que va-t-on en faire ? On va s'en servir pour reformer l'Ordre Jedi. La nouvelle génération de Jedi. L'Empire voudra leur faire la peau, comme il essaie de le faire avec nous. Tous les enfants qui se trouvent sur cette liste verront leur existence bouleversée à jamais. Mais pas par nous. Leur avenir doit être confié à la Force. Alors, où allons-nous ? Magnifique. Franchement, la fin est trop belle. Ça me fait par contre un petit peu chier qu'on ait fait tout ça pour qu'à la fin, ils viennent, ils brisent le truc. T'aurais pu le faire dès le début quand même, hein. Tu vas pas chipoter. Allez, sur ce, en tout cas, merci beaucoup d'avoir aidé Celeste. C'est mon jeu Star Wars préféré, du moins pour le moment, le temps que le prochain sort. Hein. Et aussi Star Wars Eclipse aussi qui va venir, mais bon, ça c'est encore un peu plus longtemps, fait par Quantic Dream. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de voir du Star Wars, hein. Ouais. Allez, sur ce, en tout cas, si t'as bien aimé, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un commentaire, et moi je te dis à très bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Allez, ciao.